Arrivé à Libreville ce matin du lundi 15 janvier 2023 dans le cadre d'une mission de travail et d'amitié émergeant par ailleurs au chapitre des multiples consultations initiées par les pays de la sous-région quant à la situation sociopolitique du Gabon, le chef d'État burundais Évariste Ndayishimiye a été accueilli à sa descente d'avion par son homologue, le président de la transition chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema. L'hôte du Gabon est venu s'enquérir de l'évolution de la transition dans notre pays, mais aussi échanger avec son interlocuteur sur le calendrier de la transition tel que dévoilé par le CTRI et la signature de plusieurs accords entre leurs États. Le président burundais s'intéressant aux détails de la mise en œuvre de celui-ci, mais également au partage de compétences entre le Gabon et le Burundi dans plusieurs secteurs. Pour une coopération plus dynamique, Libreville et Bujumbura entretiennent des relations historiques dans les domaines du commerce, du transport aérien, d'échange de main-d'œuvre et souhaitent les pérenniser en les consolidant. Volonté manifestée par chacune des parties lors de la récente visite du chef de l'État gabonais au Burundi. Il est question de renforcer cette relation bilatérale et de l'étendre à d'autres secteurs à l'instar de l'agriculture, de l'énergie, des mines et du transport. Des accords qui visent en plus à intensifier les consultations entre les deux territoires et le rapprochement de leurs peuples. Cette visite de 48 heures du président Évariste Ndayishimiye témoigne de l'intérêt que porte le Burundi au Gabon, mais aussi des bons rapports qu'entretiennent les deux États frères et amis qui sont déterminés à travailler de concert pour le développement de leur pays et par ricochet l'épanouissement socio-économique de leur peuple.